John Jonathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en live devant presque 400 personnes et ça va encore monter, je le sens. Et on va invoquer sur Bojack LR qui est tout simplement pour moi et pour beaucoup de personnes le meilleur Neo LR disponible sur le jeu, même sur la version Jap, si on compte pas les LR de catégorie qui sont pour moi un peu meilleurs. Même si, voilà, il est très 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 fort. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes présentes vidéos, donc je vais pas reparler de la carte dans le détail. Merci Louis pour l'abonnement. Mais il est excellent, hein, voilà, il est ultra tanky, il fait des dégâts. Merci Grégoire, plus t'as de PV et plus il fait des dégâts, moins t'as de PV plus il tank. Il est extrêmement puissant, c'est un ajout extrêmement bon pour le Super Battle Road si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Moi j'ai réussi à le faire en chatant de ouf, donc voilà. Donc clairement l'objectif, honnêtement, ce qui m'aiderait en fait c'est de dropper Majin Vegeta LR. Et pas Bojack LR, mais je vais pas cracher sur Bojack LR, de toute façon je crache sur aucun LR évidemment. Mais en première position, ce qu'il me faudrait, c'est Majin Vegeta. Ça m'aiderait pour le Battle Road. Sinon, en deuxième position, parmi tous les LR qu'il y a, ce serait Bojack parce qu'il est ouf, il est magnifique. Donc, ça me plairait. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Le détecteur. Alors, le détecteur, il y a quelques petites choses intéressantes. Mais c'est pas... Voilà. Comme vous le savez, les portails LR, c'est une carotte. Hein. C'est un peu dangereux. Donc, les free-to-play, faites attention. Hein, voilà. Mais si vous voulez invoquer un peu, allez-y. Mais attention. Merci, Gogeto, SSJ. Donc, Bojack, évidemment. Hein. Donc celui-ci, en fait celui-ci d'un côté, il va très bien à côté. Merci Tom Nian pour l'abonnement parce qu'ils ont quasiment les mêmes liens. Donc si tu le joues dans la team de Golden Freezer, tu mets ces deux-là à côté, ça marche bien. Mais je l'ai déjà, donc je joue pas forcément de doublon. Merci Captain Pain Papa. lui on s'en fout, même si ouais, il montrera l'aspect du puissance que j'ai pas encore mis P10. J'en veux pas, j'en ai déjà pas mal. Pareil. Là on dit pas non, hein, dédicace cher Trim, hein, dédicace. Godku, je l'ai déjà avec un doublon. Il aura un éveil de ouf et ce sera le meilleur pote de Goku Ultra Instinct. Donc je dis pas non à un doublon, pourquoi pas. Pareil, même chose, je crois que j'ai un doublon dessus, donc je dis pas non à un deuxième, ok. Ozef, je l'ai déjà et il est pas intéressant. Bardock, je l'ai déjà, il me manque un doublon pour le 100%. Voilà, Beerus, si je l'ai, je monte l'aspect de l'intelligence. Mais bon, éventuellement j'en veux pas. Whis, au revoir, merci Xeyi pour l'abonnement. Zamasu, on s'en bat les couilles, excusez-moi. Golden Freezer, bah, je vais monter sa spé. Voilà. Bou, on s'en fout. Hein, clairement, on s'en fout. L'agilité est dépassée depuis longtemps. Donc, vous avez peut-être pas compté, mais je vous le dis, il y a 14 SSR sur le détecteur. Donc, 14 SSR, bah, ça fait énormément d'SSR, sachant qu'il y a aussi le reportail, évidemment. Nouveau SR, Goku, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un changeur de ki. Il a un éveil d'Okan, il est pas dégueu. Donc, franchement, il est sympa. Donc, ce serait bien d'avoir un exemplaire. Bon et sur ce c'est parti, évidemment s'il y a un Shenron je me cacherai et je laisserai le chat me dire ce que j'ai droppé. Hein. Et ce sera assez fun comme d'habitude. Mais le taux d'apparition du Shenron a quand même beaucoup baissé par rapport à avant du coup. C'est un peu... Bah voilà, bah, tu vois je disais le taux d'apparition de Shenron a baissé. Paikuan que j'avais déjà... Que je mettrai pas, merci Toxic pour l'abandon, que je mettrai pas Spedis parce que. Enfin, je mettrai pas Spedis. Je mettrai peut-être Spedis un jour, mais j'ai le puissance donc bon voilà. Merci It's Neos pour l'abonnement. On commence avec un SSR, c'est cool. Mais un SSR qui servira à rien, oui. Merci Mike pour l'abonnement. Il est bon, hein, une fois éveillé, il est bon, il a Fierce Battle. Mais bon, il a vitesse époustouflante dans la team Super Tech, autant vous dire que c'est chaud. Et sauf erreur de ma part, il a pas de catégorie. Donc voilà, ça va. Donc il est pas mauvais, mais en plus il a un boost en point fixe de mémoire. Un petit Vegeta GT, hein, comme on l'aime, avec cette coupe de cheveux un peu discutable. Ouais, non, je sais pas quoi vous dire, j'allais dire à défaut, bah. Non, à défaut les Godku, mais sinon après, non, clairement, je veux. Enfin, je veux. J'aimerais bien que le jeu me fasse plaisir, ça fait un moment que j'ai rien eu de ouf. Bon, j'ai eu Golden, mais encore une fois, suite à une donation, c'était vraiment tout juste. Merci, Miltiad, merci beaucoup. Merci, Yann, pour l'abonnement. Oui, mon Nail, c'est cool, mais bon. Où est la moustache? C'est ça. Merci, Mohamed, pour l'abonnement. Où est la moustache? Salut, Léo. Bah, Gogeta, on va espérer. Hein. Oh! Bah voilà! Mais je lis le message de Gogeta, bon bah c'est parti, on perd pas de temps. Bon les gars, Bojack LR, je veux voir Bojack LR sur le chat, j'en ai rien à foutre. La Luck, est-ce que vous allez m'envoyer la Luck? C'est maintenant. Pourquoi Jiren n'est pas dans le jeu?
Mais il est dans le jeu, mais sur la Jap. Il est sur la Jap, Jiren. Il arrivera sur la globale. Bah. Si c'est, enfin, si c'est le même délai que sur la Jap, ce sera août. Enfoiré Modols. Bardock, Krillin et Nair. Mais non. Putain. Pourquoi je dis mais non? Alors déjà, bon, je l'ai déjà évidemment. Bon, de toute façon, plus j'ai plus d'orbe tech, mais en fait, je l'ai déjà droppé ce matin sur ma première single. Donc ça fait deux fois que je le drop. Hein? Deux fois que je le drop en quelques singles. Hein, hein. Et il prend la place de Bojack. Bon, c'est du détecteur, c'est bien. Salut démon. Bah, je peux le mettre à 100% si je veux. Sauf que j'ai pas d'orbe tech. Donc, Alors oui, il y a un autre truc que je veux. Les vrais savent. Je veux un Shenron rare. Vous savez, soit l'endurance, là, celui-là qui ressemble à un... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais... Non, on a fait plus que 3 singles. Vous savez, les, enfin, des dragons maléfiques, il y en a endurance, le tech, Ryan Shenron, et puis... Merci Christo pour l'abonnement. Et puis, je sais pas s'il y en a un autre. Ah non, il y a le... Non, l'agilité, je l'ai déjà. Je l'avais gardé vu qu'il bloque l'aspect. Un Bojack. Oh non. Dédicace à Muhammad, il l'a droppé dans sa vidéo aussi. Et c'est pas la première fois que je l'ai, hein. Ça fait au moins 4-5 fois que je l'ai, cet enfoiré. Du hors portail, c'est une des pires SSR du jeu. Voilà les gars. Donc oui, j'ai un beau taux de drop, les gars, mais à un moment donné, si les SSR ne servent à rien, c'est pareil, en fait, que je drop un SR ou ce genre d'SSR. Ça sert à rien, les gars. Ah oui, il est beau. J'avoue, la carte, elle est belle. Hein. Non, j'avoue, la carte, elle est belle. Mais voilà. Hein, voilà. Oui, le taux de drop est beau. Je vais pas dire le contraire. Mais le problème, les gars, c'est que même si le taux de drop est bon, si les SSR sont inutiles... Encore une fois, hein, si je drop du hors-portail que j'ai pas, je serais content. Un doublon utile. Genre Vegeta, Bulma, puissance. Hein, pourquoi pas. Dédicace à Kintun. Je suis dédicace à tout le monde qui l'a droppé sur ses tickets. Je serais content. Un SSR, c'est 10 000 points. Oh, la carte, elle est belle, ouais, je trouve. Je trouve. Donc, est-ce qu'on peut au moins dropper le Shenron rare? Ce serait bien, quand même. Je ferme le week-end sur BBS. Bah, ça dépend des fois. Mais non, ça rebonne. Mais non. Arrête de me troller, Modol. En free, non, je conseille pas, non. Mais c'est 17 AJ, je l'ai droppé. Voilà, c'est pour ça que j'en parle plus. Bah, GG DMZ, je l'ai droppé, c'est 17 AJ, donc forcément, bah non, j'en parle plus. Non, en free, faut pas invoquer, enfin, faut éviter. Hein. Salut, Icon. Bah, je veux Ryan Shenron parce que je veux faire une team full dragon maléfique. Merci, Benjamin, pour l'abonnement. Ah, j'avoue, le fake Gohan LR, ce serait parfait. Ce serait nickel. Merci, Neymar, pour l'abonnement. Ben voilà, merci Neymar, dédicace, c'est parti, hein, go. Donc pour rappel, hein, Majin LR, enfin n'importe quel Neo LR on prend, mais Majin LR en premier, Bojack LR, ou sinon Gotenks LR. Ou sinon, oh, je sais pas, peu importe. Bojack LR en priorité. Non, enfin, non, Majin LR, et après Bojack. Après Bojack, il est tellement bon que, en fait pour la hype, je préfère un Bojack, mais... Mais bon, hein, on choisit pas forcément, hein. Et je t'appuie. C'est le hint. Et je t'appuie debout. Ah ouais, d'accord. Pourquoi j'étais un hint. Bah alors, bon. Bon, ce Vegetapuie, il est bon, mais je l'ai déjà. Hein, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci, Soso Crazy, pour l'abonnement. Je l'ai déjà. Et je vais pas... Alors déjà, on a plus d'orbe puissance, comme vous le savez. Merci, Thiago, pour l'abonnement. Et puis, de toute façon, j'ai pas de place pour lui en super puissance. C'est une bonne carte, mais il servira à monter l'aspect d'un autre Vegeta Blue, je sais pas. Merci Anthony, le nuqueur, par exemple, s'il a un éveil. Bon. Est-ce qu'on peut avoir le Shenron rare, s'il vous plaît? J'avoue que c'est incroyable, on drop du détecteur, les gars, c'est incroyable. Là, j'avoue que... Ah ouais, par contre, on drop pas le Bojack, mais... Ah bah tiens, Gokua, tiens. Gokua.
Super C17. Le C17, j'ai droppé Portail Agi. Le petit Goku, ah, parfait. Tant mieux. Parce que c'est une bonne carte. Hein, échange les ki, ça peut servir. Jiren LR. Pas de Jiren LR. Ça peut dépanner. Bah, GG, Boho. Le taux de drop est plus qu'excellent, mais pour l'instant, rien de très utile, quoi. Mais non, c'est ça. Merci Gold pour l'abonnement. Il est pas ouf Kinizu parce qu'il augmente son attaque et sa défense que en dessous de 80% des PV. Donc, dans les tickets, j'ai rien eu de ouf. Tu peux aller voir la vidéo si tu veux, frérot. Elle est disponible. On farm sur BBS le week-end. Mais tu veux farmer quoi? Portail Zama Black? Comment ça, un portail Zama Black? Bah, ce sera pour les 3 ans. Ils vont remettre tous les portails LR normalement. Super C7, bah oui, c'est bien. Bah oui, salut Emmanuel. Non, non, on n'est pas à 50% de taux de drop, les gars. On est déjà bientôt à la moitié des DS. Hein. Est-ce que je peux avoir ma carte rare, au moins? Non, mais sans déconner, au moins la carte rare me servira à quelque chose. Ah, SSJ1. Bye, guys. Ok. Meilleur perso, bah, je sais pas, je pense que c'est Gohan LR. Hein. Bah, le taux de drop est élevé, techniquement le taux de drop est pareil, hein, c'est 10%. Vegeta Blue Diamond, bah ce sera, je sais pas, prochainement. Pour l'instant, les SSR que j'ai eu ne servent à rien, quoi, c'est ça le problème. Non, free to play, vaut mieux éviter, les gars, franchement, faut mieux éviter. Drop-moi Kale en hors portail, par contre, je l'ai pas. Oui, je veux un rare, oui. Allez là, bon, on est à la moitié des DS, les gars. Je sais pas, on est à combien de taux de drop, j'ai pas calculé. Bah attends, 75 DS, on est combien nécessaire? Putain, je sais même plus. 4? Je sais plus. SSJ3? Non. Pas de SSJ3, pas de SSR garantie, dédicace à Crane. Putain, putains. Bardotech, il est bon, mais je l'ai déjà. C'est ça le problème. Je l'ai déjà avec deux doublons investis. Non, les dragons rares, ils sont pas sur le portail ami, malheureusement. Et non. Bah merci The Mystery Killer. Ils sont pas sur le portail les rares, enfin les dragons rares. SSJ3. Putain, SSJ3, je crois que je l'ai pas vu depuis longtemps. Hein. Et puis ah, Vegeta le meilleur SR du jeu. Bah Migaté, ce sera après les 3 ans a priori, donc en août. Oh, le Shenron. Ouais, Crane est revenu a priori. Bon les gars, envoyez la luck, les pouces bleus maintenant. Et ça va faire venir Bojack. En plus, on a un arc-en-ciel. Bojack, il est là. Bojack, il est là. Si on drop Bojack, je le mets ce P20 direct. Avec vieux Kai, Daikai. Quitte à aller invoquer sur le portail Monotech. Direct. Je vous le dis de suite. Oh, et SSJ3 en plus. Attends, je réfléchis. Enfin, je crois que j'ai 10 vieux Kai quasiment. Ouais, si, ça le fait. Il faudra que je fasse 3-4 multi, quoi. Ouais, ça fait chier, mais bon, voilà. Hein. C17. Ah merde. Thalès. Bojaki. C'est du détecteur. Le troll. Ah, il est dur. Wouah, d'accord, ok. Bah, de toute façon, il n'y a que moi pour dropper. Alors, du coup, résultat des courses avec ce matin, 2 Bardock, 2 fois Vegeta. Ok. Ok. Ok, bon, bah, on enchaîne. Hein. Non, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Non, je pense que je vais vraiment le garder pour un... Je sais pas. Vegeta Blue. Je sais pas, je vais garder pour monter une CP, je pense. Non, non, mais Gold Test à 100%, mais non. Mais non, et elles sont où les orbes puissance? Hein? Elles sont où? Non, non, les mergas, ils sont pas très intéressants, c'est juste que je les veux pour faire une vidéo, c'est tout. Enfin, j'en veux un, il m'en manque un. Ça aurait pu être de Bojack, oui. Oui. Alors, Joe, c'est pour les orbes, le portail de Donna Banca, il revient, Suzaku l'a dit. Ah, oui, d'accord. Putain, j'arrive pas à voir ma carte rare, hein. Tu pourras remettre le détecteur. Comment ça?
Bah voilà le détecteur. Donc deux fois Vegeta. Deux fois Bardock avec ma single de ce matin. Et puis après c'était du reportail. Le taux de drop est magnifique. Hein, on le calculera après, mais voilà, ça fait chier. Même pas une seule carte utile pour l'instant. 700 visionnages, c'est magnifique. Oui, je vais faire que des singles. Ouais. On a bientôt fini, hein, frérot. Hein. Je te rappelle qu'il reste 50 DS, hein, ça va vite. Hein. La pétition a fonctionné. Discutable, hein, j'en sais rien. Je suis pas sûr. Hein. Living, tu vois, l'a eu, bah oui, après 1000 ou 2000 DS, forcément, oui. Mais non, mais c'est... Mais non, mais ça ressemble un peu à un dragon, mais c'est pas ça. Donne-moi au moins mon dragon maléfique rare, quoi. Sérieux, quoi. Au moins ça, quoi. Oula, c'est quoi ce lac de merde, là. Aïe, 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 aïe. Allez. Salut, PK2. Allez, envoie au moins ma carte rare. Ça va, je suis... Ah, ah oui. Bon, on a droppé Bojack, les gars. On a Bojack, Bojack LR. On a Bojack LR, les gars. Donc lui, en fait, il faut l'éveiller en Bojack, enfin, en Super Bojack. Sauf que c'est extrêmement long, il faut plein de médailles, c'est un bordel, quoi. Je veux un dragon maléfique, rare. Soit le endurant, soit le tech. Je crois que c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Parce que le lagi, je l'ai déjà. Ouais. C18 SR. Mmh. Putain, ça descend vite les DS. Hein. Ouh là là, ça descend vite. Hein. Bon. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un dernier SSR peut-être? Ce serait bien. Merci Yanis, merci. Mais non, mais donne-moi au moins le rare, s'il te plaît. Mais non. Donne-moi au moins un dragon maléfique rare, je sois content, je pourrais faire mon truc. Ah oui, il y a l'intelligence aussi, donc il y a l'endurance, intelligence. Putain, il y a du choix, hein. Il y a du choix, les gars. Putain, t'es sérieux. Ouais, bah le rang 51, ça doit aider Thomas, je crois. Hein, parce que bizarrement, les gens qui ont un rang très faible, ils drop comme jamais, donc bon. Wally Wallou, hein, c'est un peu curieux. Hein. Bon, bah 4 singles, les gars, 4 singles. 4 singles. Pas de SJ3. Waouh. Moi, si je drop Bojack, je le mets SP20 direct avec des vieux cailles. Hein. J'ai pas le temps. Bah, pas grand chose, Végétin. Hein. Pas grand chose. Hein. Bon, après, il y aura toujours des gens qui vont défiler les stats, mais bon, ça, c'est normal. Pff, ah, ça veut pas. Hein. Bah, c'est dans le story event, faut farmer les flancs pudding. Et après, tu les échanges chez Baba. Merci Vincent pour l'abonnement. Un dernier Shenron, peut-être? Non? Non. Le sel intelligence, il est correct, mais c'est pas ouf. Il y a une putain d'araignée derrière moi. Mm-hmm. Bon, ça a pas l'air. Hein. Toujours pas, hein, ça veut pas. Hein. Bon, bah, les gars, dernière single. Hein. Dernière single, les amis, et puis voilà. Petit Shenron. Ok. Salut Tojo, Sanji. Une dernière art plutôt, ouais. Ah non. Non, Luffy, rien de transcendant. On a eu un très 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 bon taux de drop, on va le calculer vite fait après. Mais malheureusement, voilà. Un petit nay pour finir. Tous ces John, on est de retour sur le portail de Bojack, puisqu'il y a eu quelques donations pendant le live, et du coup, bah, on va forcer sur le portail. Donc je remercie encore les donateurs de ce soir, à savoir Top Pirate, Yanis et Kisscool, qui ont fait de très généreuses donations. Et donc du coup, bah, j'ai pris les deux packs restants. Voilà, donc on va forcer. Je vais peut-être faire une multi, on verra, je sais pas. On sait jamais, hein, qui sait. Peut-être que la multi va nous faire plaisir. Donc on recheck rapidement le détecteur pour ceux qui seraient pas là, enfin qui n'étaient pas là peut-être sur le live de tout à l'heure. Évidemment, Bojack, hein, oui, bah oui, l'objectif, hein, ou sinon Majin LR, hein, ça me ferait plaisir parce que je l'ai pas. Trunks LR, je l'ai pas non plus. Gotenks LR, je l'ai pas non plus. Donc il y a le choix. Hein. Merci Med pour l'abonnement. Bojack Agi, je l'ai déjà. Il est bien à côté de lui, forcément, vu que c'est Bojack, c'est la même personne. Mais j'en veux pas parce que je l'ai déjà. Voilà. Lui, au pire, il va monter l'aspect du puissance.
on s'en fout. Lui, je l'ai déjà eu deux fois dans la première partie. Donc voilà. Godku, je dis pas non les deux parce que j'ai qu'un seul doublon sur chacun, sachant qu'ils auront un éveil de ouf. Vegeta, Osef, il est pas ouf. Bardock, je l'ai eu deux fois aussi aujourd'hui. Voilà. Beerus, au pire, il va monter l'aspect d'intelligence. Whis, dégage. Zamasu, dégage. Golden, je vais monter sa spé. Bou, dégage. Et puis après, on a des SR Goku, je l'ai eu dans la première partie. Donc voilà, donc clairement, on veut quoi? On veut Bojack Air. On veut Bojack Air. Limite, entre Majin et Bojack, je crois que je veux Bojack quand même, parce qu'il est tellement fort, c'est le meilleur Noël Air pour moi. Et aussi, alors, petit bonus, je veux une carte rare, à savoir un des trois dragons maléfiques. Merci Yann pour l'abonnement. Vous savez, les dragons maléfiques là, de l'arc GT, donc soit l'endurance, soit le tech, soit l'intelligence. Je veux un des trois, c'est pour faire une vidéo, voilà. Bon, j'ai pris quelques cartes pour me porter chance. Je sais pas si ça va marcher, mais par exemple, un petit dragon blanc aux yeux bleus, hein, la base. 4 pods. Ah! Alors évidemment, s'il y a un Shenron, je me planque, mais. Mais non, mais Dodoria, c'est pas toi qu'on veut. Bon, on va sortir la carte ultime après. La carte ultime, elle est là. Qui connaît Kuribo? Tout le monde connaît. Quoique les plus jeunes, peut-être qu'ils connaissent pas. Bon, quand il y a un arc-en-ciel, je t'ai déjà dit, Goku, tu te transformes pas. Ça, tout le monde est content. Est-ce qu'on peut avoir un SSJ3? Ok, Gohan. Bon, lui, je le prends parce que je vais pouvoir monter l'aspect de mon support éventuellement. Bon, les gars, pensez au pouce bleu hein, sur le live, sur la vidéo, sur YouTube. Pensez au pouce bleu. Le petit Satan sur la gauche. Te transforme pas, je t'ai déjà dit. Ouais, c'est ça, Valentin. Ouais. Enfin, c'est le mec. Non, c'est une carte du héros, en fait, de base. Chaozu, stunner, je l'ai déjà. Merci, Lexou. Bah, j'espère qu'on va dropper au moins quelque chose de sympa. Au moins qu'on va dropper des SSR, n'est-ce pas? La première partie de la vidéo était plutôt pas mal, hein, en termes de taux de drop. On était très bien, mais... ouais, Itachi, il est loin à farmer, ouais. Il est assez loin à farmer. Bah GG Lovino. Donc ce serait bien qu'on drop quelque chose, hein, au moins des SSR quoi. Merci Mister Bob pour l'abonnement. Parce que bon, a priori on veut des SSR. Bon, je veux aussi une carte rare, mais bah Vegeta, c'est peut-être un bug, hein, on redémarre. Mighty Mask, je crachais pas dessus. Hein. Sans DS, aucun SSR, c'est triste. Ouais, c'est sûr que, ouais. À quand un petit SSJ3 hein? Ça fait un bail que j'ai pas eu de SSJ3. Qui est Amundo, ou je sais pas quoi. Bon, on a commencé à... On est bientôt à 50 DS. Hein? Je voudrais pas dire, mais on est bientôt à 50 DS. Donc le jeu, si tu veux te réveiller, c'est quand tu veux. Hein? Bon, je sais que j'ai eu un bon taux de drop en première partie, mais le problème, c'est que tous les SSR que j'ai eu ne me serviront à rien. Donc, encore, j'aurais eu une carte que je n'ai pas. Merci, Gokua SR. Bon, je l'ai déjà eu, on va monter l'aspect. Merci, Mister Moki, pour l'abonnement. Est-ce qu'on peut enfin dropper un nouveau Neo LR? Ça fait longtemps. Bah, le dernier que j'ai eu, c'était Zama Black, donc lors de son portail. Donc, ça commence à dater un peu, hein, quand même. Bah GG Kiruto. Putain mais non mais. Putain, il me rebalance ce même rare que tout à l'heure. Au lieu de me donner. Je crois qu'on est à 50 DS là. Donc là non, c'est un Shenron. Là non, c'est Shenron. Ah oui. Ok. Bon. Est-ce qu'on sera en train de payer le taux de drop de tout à l'heure? Sauf que même si on a eu un beau taux de drop, on a eu des cartes totalement aux F quoi. Donc Bon allez. Bojack. Bon, de toute façon, j'en ferai qu'une seule. Hein. Ça, c'est une certitude. J'en ferai qu'une seule, les gars. Allez. Pff. Merci, Arthur, pour l'abonnement. Oula, est-ce que... Merci, Samuel, pour l'abonnement. SSJ3. Oula.
Oula, ouais. Bon, tout à l'heure, on a eu des SSR hors Shenron, mais bon. Deux fois en guerre. Trois fois en guerre. Est-ce que le jeu va enfin me respecter en multi? Merci Ino. Ah là on drop toute la clique à Bojack mais il manque Bojack LR. Là tu mets Bojack LR c'est bon, on est bien. Ah ouais ouais, Gokua, Bojack, Bokua, ouais. Ah ouais là on a tout là. Ah ouais non mais d'accord, ok. Donc on part sur 100 DS, 100 SSR. Ok, on est à la fin, je pense. Ok. Ok. Alors ça, si c'est pas une multi du troll, dites-moi c'est quoi. Hein. Donc les gens à chaque fois en commentaire qui me disent mais faire des multi, le taux est plus élevé, gnagnagna. Mais non, c'est pareil, c'est la même chose, les gars, c'est la même chose. C'est tout pareil, les gars. Et voilà. Donc là, on est à 100 DS, 0 SSR. J'avoue que j'aurais peut-être dû invoquer demain parce que voilà quoi, j'ai l'impression que là, tout à l'heure on a droppé beaucoup d'SSR certes, et là maintenant du coup bah... Putain la multi encore une fois, j'ai voulu tenter, redonner une chance à la multi mais encore une fois je suis déçu quoi, c'est incroyable. Bon. Est-ce qu'on peut avoir au moins un SSR peut-être sur 180 DS? Je sais pas si c'est trop demandé, mais bon. Je sais pas, hein, 180 DS, 0 SSR, ouais. Hein. Donc là, mon taux de drop, il va vite redescendre en dessous de 10%. Hein, sur le global, laissez tomber. Hein. Tout à l'heure, on a mis 150 DS. Plus 180, ça fait 330. Je suis plus dans le taux de drop. Donc s'il te plaît le jeu, réveille-toi parce que là, c'est un peu abusé quoi. Ouais. Là il faudrait, ouais, il faudrait un EOLR hein, pour remonter la pente. Ouais non, toujours pas. Hein. Fini sur le portail tech. Non, bah autant rester, hein, mais... Ouais, bah Adrien, ouais. Donc, ouais, donc... bah, au final, hein, ouais. J'avais un bon taux de drop tout à l'heure, hein, mais là... là, le taux de drop, il est en train de descendre, mais en flèche. Hein. On est, pour l'instant, 0 SSR. C'est quand même incroyable. Hein. Dans Dragon Ball Legends, c'est en juin, normalement. Donc 330, ouais, 330 DS. Oh putain! Oh putain les gars! Mais non! Mais non, il est sorti de nulle part! Mais encore! Mais non, mais c'est comme Golden! Mais c'est comme Golden! Oh putain! Oh putain! Non! Oh mais non! Oh je... Quoi? Oh mais non! Oh mais non! Oh! Oh j'étais pas prêt! Il est sorti de nulle part! Oh mais non! Oh putain! Bon bah les gars, Bah merci, un très très grand merci aux donateurs de ce soir. Hein. Putain, décidément. Oula, ah oui.
Attends, en fait, quand il est apparu, j'ai mis vraiment 10 secondes à me dire, attends. Ah oui, bah si. Bon bah voilà, la qualité, comme disait Top Pirate, la qualité, elle est là. Il est sorti de nulle part. Ça partait avec rien du tout. Bon, bah... Bah, Ghost P20... Alors... Ah oui, d'accord. Bon, on va arrêter là, du coup, hein. Non, vous êtes fous, les gars. Sur ce genre de portail, dès que t'as ce que tu veux, faut arrêter, parce que... voilà, c'est dangereux. Donc, je vais arrêter là, merci à tous pour le soutien, merci aux donateurs. Je vais arrêter la VOD ici. N'oubliez pas le pouce bleu, hein, les gars, le petit pouce bleu. Abonnez-vous, et puis suivez-moi sur Twitter. On se retrouve très bientôt. Là, je suis super content, là, je réalise à peine. Mais bon, voilà, bon, bref. Donc, passez à tous une bonne journée. Je pense que je vais passer une très très bonne journée. Donc, à très bientôt. Des bisous. À bientôt.